Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis confuse encore de ne pas vous faire les horoscopes des signes astrologiques, même si j'ai fait les lettres. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je vous fais les petites guidances là. En vérité, c'est parce que j'ai. J'ai fait mon petit oracle. Donc vous le savez, hier je vous ai montré un tout petit peu et j'avance. Donc pour essayer d'avancer un peu plus, après il sera peaufiné de plus en plus parce que je risque de te ressortir des cartes, de ci, de là, d'en recréer. Mais là, j'essaie d'avancer sur ça. Donc c'est pas facile et ça prend de l'énergie, du travail. Même si c'est un truc vraiment tout simple, vraiment très très simple. Donc c'est du... Un enfant de 4 ans, entre guillemets, le fait. Je vous ai dit, je n'ai pas envie de dessiner. Peut-être que le prochain, oui. Peut-être, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment... par rapport à tout ce que je vous ai dit, les vipères et tout le reste. Donc, je veux vraiment rester dans un truc concret. Je n'ai pas besoin de travailler avec des motifs ou quoi que ce soit. Et encore, celui-là, il est très simple. Mais je n'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin que des noms. Voilà. Des noms, des personnes, donc ça ne... Voilà pourquoi je voulais le créer très très simple. Mais il y a quand même 3 couleurs. Voilà. Donc, c'était le petit truc pour vous indiquer que si je le fais pas, c'est parce que je suis partie dans ça et voilà. Voilà. Donc, on va enlever les mauvaises énergies. Et si j'ai le temps, peut-être demain, on verra. Bon, déjà... J'ai quand même bien avancé aujourd'hui. Donc, je suis déjà très contente de moi. Mais bon, il faut que aussi je fasse mes courses, qu'on puisse manger dans la maison. Donc, je ne peux pas tout faire. Et j'ai mon ménage, bien sûr, à faire comme tout le monde. Plus le travail et tout le reste. Donc, j'essaie de tout faire, mais je me dédouble pas. Voilà, voilà. Excusez-moi. Allez. Donc j'ai sorti plein d'oracles. Mais je ne sais toujours pas avec lequel je vais vraiment travailler. Je vais déjà prendre une petite carte d'énergie comme ça. Parce que je les ai sortis tout à l'heure et comme je ne les ai pas rangés, on va pouvoir travailler avec. Comme ça, au moins, les ranger, je les rangerai pour quelque chose. Vous allez avoir de la chance. C'est l'oracle des runes. C'est un tout petit. Après, j'ai le grand rune et sorcière. Mais là, c'est le tout petit pour les énergies. La chance hein, pour vos projets. Alors, projet de quoi? Déjà, amitié. Donc, qui dit amitié peut peut-être dire que les amis ou voir cœur. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah. Il y a des conflits. Des conflits à cause de l'argent. Ça, c'est un premier message qu'on me passe. Créativité. Un travail. Donc... Pour moi, c'est que vous avez besoin de cet argent parce que vous en avez besoin pour le travail, peut-être pour créer quelque chose, votre entreprise. Donc, vous risquez de rentrer en conflit avec des amis. Mais vous allez avoir quand même la chance de pouvoir, pour moi, récupérer cet argent. Vous êtes dans la spiritualité, vous êtes guidé, donc, et vous allez pouvoir faire la fête après. Donc, moi, je vois la réjouissance parce que vous allez y arriver. Donc, c'est un premier message qu'on me dit. Vous allez pouvoir le faire. C'est un projet que vous voulez faire avec la famille. Car vous voulez du changement pour un voyage. Bon. D'accord. Je ne tire même pas le reste. Bon. Vous voulez déjà, c'est les premières énergies, premier message. Donc, je pense que ce soir, je vais vous passer quelques petits messages à droite, à gauche. Et peut-être qu'il y en a un qui va vous parler. Donc, là, j'ai une chance pour un projet. Voilà. Mais,
un projet où il y a un conflit avec une amitié ou des amitiés par rapport à l'argent. Ce projet, pour moi, il y a de la créativité, vous y travaillez dessus. Vous savez que pour avancer, ben, il vous faut cet argent et que ben, après, vous pourrez être bien. Commencer, entre guillemets, moi, quand je vois la fête et travail, c'est remonter à la surface de l'eau, entre guillemets, et pouvoir commencer à... Moi, je vois voyage... Mais en vérité, c'est parce que vous voulez emmener votre famille peut-être en vacances. Parce que dans ces cartes, il n'y a pas les vacances. Hein. Pour un changement, mais en amour. Donc, il en reste trois. Je prends. Ça vous fera du bien à votre santé et surtout à vos proches, vos rêves, pour avoir du bonheur. Ça, c'est le premier message qu'on me passe. Là, dans les énergies, avec le petit oracle de runes où il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, ben, c'est pas pour rien que je le prends. Après, peut-être que tout le reste va aller avec. Mais ça, c'est le premier message qu'on me fait passer. Donc, mais moi, je reste scotché. Donc, quel autre message on va pouvoir me faire passer? Allez, on va commencer. Toujours l'argent. Je vous mens pas, hein. Le travail. Donc peut-être que ça revient toujours aux mêmes énergies que là, on nous explique un peu plus. Je mélange, hein, le temps de bien mélanger, d'avoir les bonnes énergies. Et je vais essayer de vous passer à 3. Donc, oui. Donc déjà, vous allez avoir des mauvaises paroles, disons, oui, des conflits, suite à ces problèmes d'argent. Parce que vous en avez vraiment besoin. Le miroir magnétique montre que ben, vous allez rappeler à l'ordre ces personnes parce que, ben, comme tout le monde, vous en avez besoin et vous allez trouver des compromis justement pour ces problèmes d'argent. Quitte à arriver jusqu'à la loi pour certains. Alors, loi, ça peut être loi normale, loi divine. Oui, parce que vous voulez changer. Vous voyez? Donc ça ressort dans les énergies. Vous voulez peut-être faire un cadeau à quelqu'un. Vraiment magique. Mais ça, je ne prends pas et pas tomber. Donc, vous attirez quelque part un peu les mauvaises paroles parce que ben, vous avez peut-être rien dit depuis un moment. Et que les gens, en vérité, ils voient que c'est parce que vous en avez besoin, mais peut-être pas pour faire un cadeau. Un cadeau pour revenir à la correspondance parce que vous manquez d'argent. Voilà. Et les gens, en vérité, à qui vous doivent de l'argent, s'en moquent. Le cadeau, c'est aussi le travail de la projection que vous avez. Alors, on va essayer de voir quelle projection. Pour la tranquillité. Donc suite à des mauvaises paroles que vous avez eues, vous allez retourner à la correspondance pour trouver des compromis pour aller vers une évolution. On saura après vers quoi, pourquoi. Donc avec l'argent, vous voulez arriver à un carrefour de votre vie et arrêter les mauvaises paroles aussi qu'il y a autour de vous. C'est pour ça que vous allez revenir à la correspondance. La loi, c'est sur le travail que vous êtes en train de faire. Parce que vous voulez ce cadeau de la vie qui vous montre, entre guillemets, votre ego, vos problèmes,
alors que vous voulez que la tranquillité à toute votre vie, vos examens. L'amour, vous voulez l'évolution en amour. Donc vous allez retourner le... Vous allez retourner à la correspondance pour avoir la tranquillité, pour avoir l'évolution en amour. Et vous savez que c'est à cause de ces mauvaises paroles que vous êtes un carrefour à cause de, en amour. Donc. Et ça vous concerne, vous, l'homme. Et vous êtes très amoureux. Vous êtes très attiré. Avec le cadeau, la sexualité, la femme. Chez moi, c'est plus que du charnel. Voilà. Et le cadeau, c'est que vous avez rencontré cette femme et que vous êtes épanoui, entre guillemets, avec elle, même si vous avez pu avoir des mauvaises paroles avec elle. Mais épanoui jusqu'à tous les plans. Voilà. Que amour, homme, sexualité, femme, c'est que vous avez autant l'amour, autant la sexualité, vous êtes épanoui, et autant, en plus, vous en rêvez. Donc, vous rêvez de tranquillité, de compromis, vous rêvez d'évolution, vous rêvez de retourner à la correspondance à cause des mauvaises paroles qui vous ont fait vous séparer. Et c'est dû à ce manque d'argent. Voilà ce qu'on nous explique. Donc vous êtes séparés à cause de ce manque d'argent. Vous êtes protégés, vous êtes peut-être même rien dit, vous l'homme. On vous a forcé, entre guillemets, quelque part, avec la loi. Donc la loi divine vous a forcé à travailler. Est-ce qu'il y a un cadeau de la vie, entre guillemets, sur votre ego ? Pour pouvoir retrouver une tranquillité, retrouver un apaisement suite à cette séparation. C'est vrai que, ben oui, cette séparation, vous avez travaillé votre ego. Donc, si elle vous a fait travailler votre ego, c'est que la personne, ben, elle a peut-être touché des points sensibles. Qui dit points sensibles, dit peut-être, sûrement, la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vrai que vous avez mis un bouclier, mais vous allez... Vous voulez une réunion. Bouclier, parce que vous, à ce que je vois, vous deviez vous voir pour petit rendez-vous, entre guillemets. Mais il y a eu du retard. Et pourtant, vous vouliez être tranquille avec votre femme, disons, la consultante. Et vous savez que c'était un examen, entre guillemets, que si vous ne l'invitiez pas, elle allait peut-être ne pas être contente. Vous savez que c'est une chance d'avoir rencontré cette femme. Vous le savez. Ça met à mal votre santé. Et vous le... Mais je ne vois pas que ça, vous en rêvez, mais à vous en rendre malade, même dans les rêves. Et vous le savez. Vous voulez la victoire sur la séparation. Vous voulez la victoire sur vos rêves en revenant à la correspondance suite à ces mauvaises paroles. Ce qui est bien, c'est que quand on fait des guidances comme ça, parce qu'en privé, c'est plus difficile. Surtout quand on nous demande plusieurs questions à la fois. Là, je réponds directement, je fais directement. À part, il y en a en guidance, ils vous posent une question, ils veulent savoir tout ce qu'on peut sortir. Mais si vous en avez 40 000, c'est plus dur de répondre. Parce qu'à la base, on demande une question, on a les énergies pour une question. Après, on demande une autre question, on peut avoir une. Mais il faut pas en poser 40 000 en même temps, c'est un peu difficile de travailler... pour tous les... Tous. Bon. Vraiment, là, vous avez vraiment la projection. Parce que... Même que vous avez mis le bouclier... Pour vous protéger. Entre guillemets, vous savez que c'est votre âme sœur. Ou votre femme jumelle. À chaque fois que vous vous regardez dans le miroir... moi, ce que je ressens,
c'est déjà que vous avez qu'une envie, c'est la réunion avec cette femme. Tellement que vous êtes attiré charnellement avec elle, mais c'est pas que charnellement, c'est sa beauté, c'est tout. Et le problème, c'est quand vous vous regardez dans le miroir, ben, vous voyez une personne seule. Elle est sans vous. Donc vous voulez, même s'il y a eu du retard, une renaissance avec la femme de vos rêves. Parce que ben, votre rêve, c'est d'être avec elle. Alors. Oui, c'est en gestation, mais bon, par rapport au retard, c'est en gestation. Bon, le problème, c'est voilà, vous avez des problèmes d'argent. Sauf que moi, je pense que, façon par rapport à la loi qui vous fait travailler sur tout ça, c'est entre guillemets, pour moi, oui, vous devez revenir à la correspondance. Mais n'attendez pas non plus des mois parce que vous risquez de la perdre. Allez, j'aimerais avoir trois autres cartes. C'est en gestation, mais ça a mis beaucoup de retard pour vraiment ce que vous voulez, vos projets, projets de famille. Vous savez que c'est vraiment une chance, hein, et que ça vous met. Alors peut-être pour certains, j'ai un autre message. Si vous êtes une famille recomposée, votre famille savent très bien que vous êtes à mal point de vue santé depuis cette séparation. Même si vous restez tranquille dans votre coin, tout le monde le voit. Vous le dégagez. Vous avez un magnétisme en vous qui dégage sur vous que vous n'êtes pas bien, que vous êtes malade. Et la famille le sait. Et ils sont en train presque de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que t'attends? Alors, vous vous retrouvez dans la culpabilité. Alors, peut-être qu'on vous a fait des accusations, mais en vérité, Mais les accusations, entre guillemets, pour moi, c'est bouge-toi, à la place de rester dans l'ego. Mais voilà, la dernière carte pour essayer de voir si on a des énergies pour savoir. Je n'ai pas fait d'oracle pour les temps. Vous savez que logiquement, tout ce qui est. C'est. Bon, l'oracle. Ça y est, j'ai perdu son nom. Ce petit oracle donne certaines saisons. Il y en a deux, trois. Mais je n'aime pas spécialement. Et comme tous les voyants, on n'aime pas. De toute façon, c'est toujours en jour, en semaine ou en mois, voire année. On dit toujours 3, 6, 9. Donc. Mais je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Vous voulez la victoire pour pouvoir faire un foyer. Vous savez que vraiment, même peut-être que la femme avec qui vous êtes a peut-être des problèmes de santé, peut-être, hein, entre guillemets, en tout cas vous en avez. Elle peut-être aussi elle a des problèmes de santé, mais en tout cas, moi ce que je vois, ça ne vous pose pas spécialement problème, parce que vous voulez la tranquillité quand même, faire vos rêves, vos projets. Donc c'est pas ça le problème. Ça, c'est qu'un détail qu'on me fait passer en énergie. Vous savez que vous êtes obligé de. Vous êtes un carrefour. La loi avec le miroir magnétique et la loi qui sont pas très très loin. Puisque compromis, examen, loi, juste derrière le miroir magnétique, c'est qu'en vérité, la justice divine vous fait travailler dessus pour passer au carrefour de votre vie, de réagir. Et que vous compreniez que votre cadeau, c'est de retourner à la correspondance avec la consultante pour pouvoir déjà être plus tranquille. Pour pouvoir retrouver une évolution déjà dans vos rêves, dans la correspondance aussi, retrouver la chance pour pouvoir tout mettre en gestation, pour pouvoir aussi vous réunir, et retrouver cet amour
ou entre guillemets, vous avez mis un bouclier. Mais et vous savez très bien que si vous ne faites pas ça, le carrefour va changer. Donc, moi, pour moi, oui, il y a le retour. Il y a le retour. Pour moi, il y a le retour. Mais bon, on va essayer de voir avec le temps si on a une période quand. Alors déjà, est-ce que vous allez reparler? Bon, vieillesse, donc, c'est que vous avez envie de vieillir avec la personne. Pour moi. Ou vous êtes d'un certain âge. Bon, vous avez les idées mélancoliques. Vous travaillez dessus. Mais on va voir. On va vraiment voir. Vous travaillez durement parce que vous voulez, pour moi, lui apporter de la beauté, du luxe. Je vais répéter pour tous les couples. Tous les hommes qui se disent que les femmes, elles ont besoin de beauté, de luxe, vice-versa. On n'a pas besoin. L'amour n'a. Bon. On a tous des envies. Mais moi, je trouve que la plus grande envie, c'est d'être ensemble et de retrouver peut-être votre jeunesse ensemble, à deux. Et après, faire votre projet. Donc, vous êtes dans l'attente, la stagnation. Vous essayez, entre guillemets, de rester peut-être jeune dans votre tête, alors que, bon, vous voyez les années passées, hein. Donc pour certains, il faudrait mûrir. Je ne veux rien dire. Même si on montre que vous avez l'air d'être mûr, hein. Bon, la chance ressort sur les idées mélancoliques déjà. Bon, cet été. Cet été, est-ce que vous allez vivre ensemble ou seulement reprendre la communication? Moi, j'aimerais bien savoir si vous allez avoir un visu. Le foyer, pour cet été, donc logiquement, vous travaillez fortement pour cet été. À la base, vous pouvez commencer la correspondance en début d'été et voir si d'ici la fin de l'été, vous allez vous mettre ensemble. Parce qu'à force de rester. D'accord. Mais j'ai parlé de quand c'est que vous alliez repartir en communication, me sort le printemps. Voilà. Moi, alors il y a deux solutions. C'est où cet été vous reprenez la communication et vous ferez vraiment votre foyer au printemps de l'année prochaine. Donc là, pour moi, c'est long. Mais bon, après, ça dépend de la distance, ça dépend de ce que vous avez à mettre en place. Ou comme j'ai posé la question, ben, me répondez au printemps. Donc là, vous avez deux possibilités. Je vais essayer de savoir s'il n'y a pas un peu plus. Renaissance du couple avec intelligence et rapidité. Des nouvelles. Donc, les nouvelles avec rapidité. Donc, c'est pour moi d'ici la fin du printemps. Pour avoir la justice, parce que vous avez eu de mauvaises bases de départ. Il y a la clé du destin qui vous dit de travailler fortement, même point de vue travail, et vous, l'homme. Et c'est depuis cet hiver que vous êtes en froid, disons. Moi, je vois depuis cet hiver le froid, mais c'est glacial, entre guillemets. C'est protégé, vous parlez pas. Oui, c'est un accident de la vie parce que sur une route, peut-être un déplacement avec une femme depuis cet automne. Donc oui, c'est glacé avec elle. Vous êtes en non-communication, mais vous avez peur de la perdre à cause des ennemis. Donc peut-être personne malveillante, peut-être on ne sait pas qui c'est les ennemis. Et là, il n'y a pas de triangulaire qui sont sortis. Vous découvrez qu'en vérité, à partir de là, vous êtes vraiment envoûté par elle, envoûté, je sais pas, vous craquez pour elle. Il a fallu ce clash
pour dire c'est elle que je veux. Donc vous allez lui proposer une invitation, voire un déménagement, pour certains, pour une évolution. Parce que vous êtes loin en distance pour moi, pour guérir suite à la mort de votre couple. Et vous devez balayer le passé pour voir une union, un mariage. Vous allez le faire avec sagesse pour l'amour, la sexualité, l'emprisonnement que vous avez depuis votre rencontre. Vous êtes tombé malade et tout ce que vous voulez, c'est vous reposer avec elle, quitte à faire une famille, style parents, pour avoir l'abondance, les cadeaux, des récompenses de la vie, entre guillemets, parce que c'est votre soleil. Donc, ben, en faisant tout ça, vous allez réussir, bien sûr, l'examen de la vie divin, pouvoir après, ben, profiter de la vie, peut-être des voyages à l'étranger, et surtout, l'examen qu'on me dit entre guillemets, et vous avez eu de la chance pour certains. Alors pour certains, vous aurez de la chance. C'est où la personne. Part avec vous, donc elle fait un voyage, comme un voyage à l'étranger, ou l'autre personne voit que vous l'avez trompé peut-être, parce que là on me parle à la fin, donc il y a peut-être pas d'adultère. Il y a deux cas, deux situations. Il y aura la situation où d'autres ils vont réussir l'examen et ils vont pouvoir faire leur vie, les vacances. Disons, moi je vois, quand je vois le voyage à l'étranger, je vois déplacement l'un vers l'autre. Et réunification. Et se mettre ensemble. Donc, moi, l'étranger, c'est que vous n'êtes pas à côté. Et l'examen, c'est de se revoir, quitte à partir. Et enfin se réunir, parce que c'est votre soleil. Et il y en a d'autres qui vont voir un nouvel horizon. À cause d'un adultère. Et je vois un troisième message. Il y en a qui vont décider de voyager, de se retrouver, pour repartir sur un nouveau départ, d'un nouvel horizon, pour pas qu'il y ait adultère, parce que votre autre a peur. Voilà. Donc il y a les trois messages. Là, je ne demande pas, c'est à vous, mais c'est vous qui me direz. Voilà, hein? Vous me direz en commentaire. Là, je vous laisse la surprise. Ça parlera, ça je n'en doute pas que pour certains, ça parlera. L'adultère est vraiment sorti en dernier. Donc c'est vraiment que si vous reprenez pas la communication. Voilà. Sinon, moi je ne vois pas d'adultère. Ce n'est pas sorti en premier. Même dans tout le jeu de cartes. Parce qu'à la base, on prend que de certaines énergies. On n'est pas obligé de le prendre en entier. Et dans toutes les premières énergies, que ce soit avec l'oracle des miroirs et l'oracle des. Ça y est, j'ai perdu le nom. Je cherche le nom. J'ai la boîte. Je l'ai sortie en plus, hein. À l'oracle de lumière. L'adultère est sorti en dernier. Donc, j'étais même pas censée prendre les cartes. Je vous l'ai dit parce que ça me donnait trois solutions. Moi, à la base, vous retournez l'un vers l'autre. Je m'aime. Allez, vous tirez deux, trois cartes pour voir. Mais moi, pour moi. Maison, donc foyer. Vous voyez? Moi, je vois pas d'adultère. Non. Montagne, déplacement. Donc oui, vous avez du mal à faire votre foyer. Mais moi, ce n'est pas pour l'adultère. Moi, c'est l'histoire d'argent et de mauvaises paroles. Il y en a trop. Il y a beaucoup. Oui, alors, le piment peut être. Vous êtes très très attirés, alors très très attirés l'un vers l'autre. Chaque fois que vous voyez, vous avez des piments dans le cœur. Peut-être que vous êtes aussi beaucoup disputé. La dispute a peut-être été chaude. Vous interdisez être parent entre guillemets. Bon, ça après vous avez droit d'être
vous interdire d'être parent, d'avoir des enfants, ça aussi c'est... Oui, interdire... Ou parents, disons, des enfants. Interdiction. Alors, il y a deux solutions. C'est où les montagnes sont faites à cause des parents. Et c'est ça qui a les parents et les enfants qui vous ont empêché à ce moment-là de vous déplacer ou de voir votre âme sœur, votre flamme jumelle avec qui vous craquez. Mais complètement, dès que vous la voyez, c'est l'explosion, les papillons dans le cœur, l'amour... Mais le problème, c'est qu'il y a eu une interdiction pour moi pour le déplacement suite à un problème d'argent qui est sorti en premier et dû aux parents et aux enfants peut-être. Donc peut-être que vous avez eu des frais, la maison aussi peut-être, des factures de dernière minute et vous n'avez peut-être pas osé parler. Voilà ce qu'on me sort en plus comme énergie. Donc, est-ce qu'il va y avoir le retour? Moi, j'essaie de savoir. Si ça veut tomber, est-ce que le consultant et la consultante vont se remettre ensemble? Il y a l'équilibre qui revient. Équilibre à quoi? Moi qui devais faire 10 minutes, un quart d'heure, je suis toujours en train de vous faire des guidances plus longues que prévu. L'équilibre à l'abondance. Donc, ce qui est bien, c'est que au moins vous allez pouvoir vous déplacer et être bien. Et pouvoir enlever ces montagnes. Oui, on vous dit avec le temps, bien sûr. Donc, moi, j'aime pas. Bon, vous trouverez la lumière. Vous le savez en plus qu'il faut faire le deuil par rapport à tout ça pour pouvoir guérir. Donc balayer le passé bien sûr, pour retrouver l'équilibre, la guérison, l'abondance. Même si ça met un peu de temps, vous le savez. Est-ce que vraiment il va avoir le retour? C'est plus que de l'amitié, même si vous pouvez le croire. C'est vraiment à l'infini. Donc amitié, amour à l'infini, c'est en plus c'est... Juste à côté, hein, je peux vous le dire, c'est... Et vous le savez, hein. Bon. Et le cœur brisé, bien sûr. Les blessures qui ressortent. Bon, les blessures, c'est à cause d'une invitation. Donc, ça confirme bien. Avec où vous deviez avoir beaucoup de tendresse avec cette personne le jour de cette invitation, mais ça n'a pas eu lieu. Ça, on confirme bien. Donc, qui c'est qui va donner des nouvelles à l'autre en premier? J'aimerais bien savoir. Bon, les nouvelles vont être en progression. Donc là, pour le moment, quand il y aura des nouvelles, ça sera pour aller en progression en amour. Mais on ne me dit pas, ni consultant, ni consultante. Hein, je peux vous le dire, vous avez du mal à sortir. Hein. Donc, progression. Oui, il va donner des nouvelles parce qu'il va avoir un déclic suite à des secrets, parce qu'il... Il y a eu la fin de tout ce qui est projet. Mais ça, il ne vous a pas dit ce qui s'est passé. Donc, voilà. Donc, il est en train d'avoir le déclic. C'est pour ça qu'il va revenir à vous donner des nouvelles. Je suis vraiment à la fin. Hein. Mais il ou elle, je ne sais pas. Qui c'est qui revient? C'est qui revient à la conversation aux nouvelles. Et est-ce qu'il y a le retour du consultant ou de la consultante ensemble? Je sais, je pose deux questions et logiquement, c'est une après une. Bon, il y a eu des masques, du ressenti,
Ouais, vous avez peur des masques à cause d'un homme. Peut-être que c'est lui aussi à rajouter, ou peut-être que qui a mis à mal le chemin pour donner des nouvelles. Ah, ou peut-être la rencontre aussi. Peut-être qu'il y a une personne tierce qui fait des siennes autour de votre relation. Peut-être aussi que le consultant a peur qu'il y ait un masculin, qu'il essaye d'avoir des nouvelles pour savoir et pour percer le secret. Donc, ouais. Le chemin est long. Il a peur qu'en vérité vous soyez, vous décidiez de vous divertir. Vous avez du mal à sortir tous les deux. Je pense que vous êtes à côté. Ouais, divertir et que vous avez coupé complètement même les nouvelles à cause de ça. Alors que. Après, un homme veut. Ça peut être quelqu'un de la famille. Hein. Donc ça ne veut pas dire triangulaire. La triangulaire n'est pas sortie. Non, vous voulez. Ouais, vous avez coupé avec les rêves. Et pourtant, il a le déclic. Hein. Mais disons, il y a le déclic, mais de qui? On ne sait toujours pas. Hein. A priori, bon, pour moi, c'est de l'homme, hein, puisque c'est lui qui est sorti. Qui c'est qui a coupé? Qui c'est qui a. On ne sait pas. Vous êtes attirés comme des aimants. Ah! Alors, qui c'est qui a tiré comme des aimants? Bon, il y a le retour, parce que vous êtes attiré. Il y a. Et le retour de qui? Allez. Qui c'est qui fait le premier pas? Bon, nous, on a vu en première énergie que c'était l'homme. Mais est-ce que. La femme va revenir à donner des nouvelles, elle en premier. Ou l'homme. La triangulaire, c'est à cause de ce masculin-là et de la famille, de tout ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas une autre femme qui ressort, si vous remarquez bien. Donc ce n'est pas. Pour moi, le masculin, pour moi, je ne le vois pas en triangulaire. Puisque la triangulaire n'est pas sortie depuis tout à l'heure. Donc, moi, je vois le retour parce que vous êtes attirés l'un par l'autre. Qu'il y a quelqu'un de la famille, un masculin, qui a eu peut-être de mauvaises paroles, peut-être. Il y a eu les parents, il y a eu les enfants, donc pour moi c'est une histoire. Peut-être que c'est un garçon d'un côté ou de l'autre de la famille, parce que vous êtes peut-être avec des enfants, qui en vérité a mis à mal. Voilà, il y a une porte qui va s'ouvrir pour le retour. Mais je. Moi, pour moi, je vais arrêter là parce que je ne vois pas de triangulaire. Je vois que si, oui, il y a le retour. Bon, c'est à vous de vouloir le reprendre ou pas. Hein. Vous choisissez. Mais pour moi, je vous confirme encore, c'est encore des histoires de famille et pas une triangulaire. Donc, vous voyez que souvent, ben là, c'est peut-être des énergies où il n'y a pas du tout de triangulaire. Désolée si ça ne fait pas plaisir à certains, mais je vais pas annoncer des choses qui ne sont pas vraies. Les triangulaires, oui, d'accord, oui, c'est la famille qui ont posé le problème pour un rendez-vous. D'accord, ça, oui. C'est les mauvaises paroles, peut-être entre vous, peut-être de la famille ou quoi, qui empêchent le retour. C'est à votre autre. Féminin ou féminine, bon, là, c'est sorti l'homme, donc. Mais au moins, ou de polarité masculine qui doit revenir.
Voilà. Là, vous voyez, il n'y a plus rien qui... Donc la porte va s'ouvrir. Je n'ai pas de date. Mais il y aura quand même le retour. Donc pour moi, vous... les nouvelles sortent avant le retour. Donc, ouais, à cause de... vous êtes... bon. C'est à cause de... vous vous êtes senti... alors, il y en a un des deux qui s'est senti troué. Troué. Trahi à cause de la coupure du break. Parce que vous avez coupé. Donc, peut-être couper les rêves, couper la communication et vous êtes senti trahi. Vous êtes même devenu jaloux. Jaloux par rapport peut-être... ben, parce que ben, vous avez peur de perdre votre autre. Donc, ça vous a rendu jaloux. Mais vous savez aussi que votre cœur sont liés. C'est même pas... je vois pas spécialement la jalousie méchante. C'est peut-être que vous êtes jaloux parce que vous avez peur de la perdre, mais pas la perdre ou le perdre, mais pas au point de... oui, pour avoir peut-être des disputes, mais c'est pas une triangulaire. Voilà, vous voyez, ça fait une heure que je tire les cartes. Il y a le retour. Voilà, suite à une trahison parce que vous vous êtes séparés pour des mauvaises paroles, pour la famille, pour des erreurs de parcours. Voilà. Donc, oui, la triangulaire sort, mais c'est la jalousie, la triangulaire. Voilà. Il y a eu de la jalousie autour de vous. Peut-être ou que vous avez été jaloux parce que peut-être vous êtes tapé une crise de nerfs parce que vous n'êtes pas vu, peut-être parce qu'il vous l'avait pas dit, mais la chance revient pour l'union à cause des nuages, mais il va avoir quand même une surprise. C'est en gestation, vous avez les outils pour vous pardonner. Et oui, oui, vous allez faire vos projets de cœur. Voilà. Et vous allez vous dire non. Non, il n'y a pas eu de rencontre réseaux sociaux. Non à la crise. Et ben moi, je vois le Pax autour de l'homme qui est dans la tour. Donc, voilà. Donc, moi, je... et autour de la féminine, c'est de la consultante, c'est repos à cause des perturbations. Consultante, destin. Voilà. Voilà, voilà. Et il y a eu de l'inconstance. Il y aura la déclaration. La féminine est perturbée à cause d'une féminine, mais qui est à l'envers. Donc elle est ressortie, c'est la seule carte qui est sortie à l'envers. C'est en vérité pour moi... il n'y a pas de triangulaire. Voilà. Peut-être qu'elle a fait une crise de jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui est pro... Elle a cru. Mais comme elle est sortie, c'est la seule carte du jeu qui est sortie à l'envers. Donc, pour moi, si elle est sortie à l'envers, c'est qu'en vérité, la féminine a peut-être eu des mauvaises paroles. Parce qu'elle a... ben oui, peut-être qu'elle a cru qu'en vérité, qu'il venait pas... qu'il se voyait pas à cause de ça. Moi, c'est ce que je ressens. Mais qu'en vérité, non. C'est à cause de la famille, à cause du travail, de l'argent. C'est à cause peut-être d'un garçon. Mais il n'y a pas triangulaire. Parce que même la femme ressort à l'envers. Et ça aurait pu être une fille. Donc, voilà. C'est pour ça que je fais ce fameux oracle. Pour pouvoir vous dire après, approfondir un peu plus. Mais là, personnellement, dans tout ce que j'ai fait, non. Non, il n'y a pas triangulaire amoureuse. Voilà, il vous aime. Il n'ose pas vous le dire. Il est dans l'ego. C'est ressorti avec l'oracle... pas de lumière. Ça y est, je cherche. Oh mais... aujourd'hui, hein, je cherche tous mes mots aujourd'hui, vous inquiétez pas. L'oracle de lumière, je l'ai.
J'ai toutes les boîtes, j'ai tout sorti. Le rack des miroirs, mais j'ai pas la boîte. Je sais pas où j'ai mis la boîte. C'est pas grave, je vais la retrouver. Parce que c'est à côté, c'est tout à côté. Donc, pour vous dire que non. Voilà. C'est encore des problèmes familiaux, des problèmes pour une rencontre qui n'a pas eu lieu. Et donc, ben, autant vous avez eu des mauvaises paroles pensant que, ben, en vérité, vous trompez. Et autant, lui, peut-être, à cause de la famille, peut-être qu'il a cru aussi que comme vous avez décidé de couper, ben, il a cru peut-être que vous avez quelqu'un d'autre. Et donc, c'est resté là. Sauf que il va voir de visu que vous avez personne et vice-versa. Voilà. Mais il faut revenir à la communication. Voilà. C'est ce que les cartes disent. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros gros bisous, mes boubous d'amour. Et ben, j'espère que tout ira bien pour vous. Et je vais seulement vous tirer quand même une carte des anges pour essayer. Résultat positif. Voilà. Le soleil est en train de percer les nuages et j'ai mélangé devant vous, hein. Pourtant, c'est une carte que j'ai sortie cet après-midi. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se réaliser sous un jour prometteur. Est-ce qu'il y a un autre message? Il y en a deux autres. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Voilà. Donc vous êtes protégé. Et il y a du changement positif qui arrive. Voilà, je ne peux pas vous confirmer plus, hein, entre guillemets. Je ne vais pas vous faire 40 000 tarots. J'en ai fait 3. Donc je pense que voilà. Donc, je vous embrasse tous très très fort. Et je vous dis à bientôt. Et voilà. Et demain, je parlerai d'un petit truc qui m'a beaucoup. Mais je vais vous en parler maintenant. Alors j'espère qu'elle va le regarder. Un truc qui m'a beaucoup touchée, c'est j'avais perdu de vue une amie qui on a repris contact. Et elle m'a fait un très beau message. Ça a toujours été une amie pour moi. Et même si la vie a fait qu'on se perde de vue. On a repris contact il n'y a pas longtemps. Mais personnellement, je l'appréciais moi aussi, mais je ne savais pas à quel point elle pouvait m'apprécier. Voilà. Ce qu'elle pensait exactement de moi. Et vu les messages qu'elle a laissés aujourd'hui, ça m'a beaucoup touchée parce que je suis passée. Elle connaît ma vie comme moi je connais sa vie. Et donc elle sait par quoi je suis passée. Et je vous promets que d'avoir des compliments comme ça. Ça m'a beaucoup touchée. Donc déjà, je lui dis merci. Du fond du cœur. Parce que elle connaît une grosse partie de mon passé. Et presque tout même. Et le fait de dire que je suis une bonne personne, ça me touche beaucoup. Ah, ça m'émeut vraiment. Parce que à certaines époques de ma vie, comme vous, c'est des paroles que j'aurais aimé entendre. Pas spécialement des amis, peut-être la personne avec qui j'étais, d'autres personnes plus proches même que les amis, voilà, et qu'on n'entend pas toujours. Et voilà, donc belle preuve d'amour d'une amie. J'en ai d'autres aussi, hein, qui. Mais là qu'elle écrive, en plus, c'est une personne qui est très réservée. C'est vraiment
Ça m'a beaucoup touchée, voilà. Je voulais le dire au début, en début de guidance. Après, je dis non, la prochaine fois. Et je vous le dis parce que je vous souhaite de rencontrer des personnes comme ça. Et de leur dire si vous les appréciez. Parce que ça fait vraiment du bien de l'entendre. Voilà. Donc moi, je lui dis merci. Elle va se reconnaître. Même s'il y en a d'autres qui me l'ont dit dernièrement, mais que elle, ça fait 18 ans qu'on se connaît. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Donc, elle m'a, entre guillemets, même si on ne s'est pas fait de cadeau, quoi. Ce qu'elle a dit, c'était un magnifique cadeau pour moi. Voilà, comme quoi, avec des simples paroles d'amour, de gentillesse, d'amitié, de sincérité, on peut tous s'aimer et tous avoir des bons échanges et rester dans la gratitude les uns envers les autres. On passe tous par des moments difficiles dans la vie et d'avoir des amis ainsi, je peux vous dire que ben, on est content de les avoir. Voilà. Donc, voilà, je dis encore merci. Et comme je dis merci à tous mes autres amis, je dis merci à tous mes abonnés qui me font des partages, à tous ceux qui font des likes, parce que un truc, à chaque like que vous faites, mais je l'ai dit, vous me donnez à chaque fois le sourire, c'est que je comprends que vous n'ayez pas le temps de mettre un message et je comprends. Parce que moi, ça m'arrive de vous répondre en dernier. Mais je comprends. Des fois, je sais que la guidance peut ne pas vous plaire. Mais si vous trouvez que j'ai fait un bon travail, rien que de liker, ça récompense la personne. Et je touche pas d'argent pour ça, vous le savez en plus. Donc, moi, c'est que personnel. Voilà, c'est personnel. Ça veut dire, ben, j'ai quand même aimé ton travail. Et c'est beaucoup. Bon, après, je suis très contente de voir que les abonnés augmentent de plus en plus. Et c'est des beaux cadeaux que vous me faites de la vie. Parce que ça aussi, on n'a jamais cru que je pouvais faire ça, que je savais le faire, que j'avais ces dons. Et même encore il n'y a pas longtemps, hein, j'ai annoncé à certaines personnes et que ah ben c'est bien, hein, mais pas plus que ça. Donc, de voir le nombre d'abonnés, de voir tous vos messages, les likes, ben moi ça m'encourage encore plus. Vous voyez, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour grandir et pour apprendre. Il n'y a pas d'âge d'apprécier les belles petites choses de la vie. Parce que oui, j'ai 46, je vais faire mes 47. Et rien qu'on me fasse un message. Mais si vous savez le bonheur que ça me donne, voilà, je vous le dis. Donc bon, sur ce, je vais pas retarder. Vous pouvez même arrêter avant, je dirai rien, hein, je comprendrai. Peut-être que vous avez déjà arrêté. Disons, vous aurez déjà arrêté bien avant la fin. Mais en tout cas, je vous dis merci à tous. Et j'espère que vous entendrez quand même mes messages. Voilà. Mille bisous, mes boubous d'amour. Je vous aime tous très fort. Restez dans l'amour, dans la compassion. Et aimez votre prochain. On a tous des difficultés, on a tous des hauts et des bas. Des fois, c'est dur. Des fois, on est amené à faire des choses ou à dire des choses qui ne nous font pas plaisir. Mais des fois, on regrette plus qu'autre chose. Voilà. Sur ce, gros gros bisous d'amour et à bientôt.